depuis plus d'un an et nous espérons une contribution à des habitudes, des formes nouvelles de dialogue, de renforcement de la concertation sur nos territoires. C'est que vous puissiez donner la tonalité de cette journée et que là, les décideurs écoutent ce que vous avez, le résultat de votre travail. À 18 ans, on nous demande d'être adultes, on nous demande d'aller voter, on nous demande de nous impliquer et d'un côté, même jusqu'à 25%, on peut aller jusque-là, d'un autre côté, on nous infantilise. Une autre génération peut construire avec les jeunes. Au bras, quels sont les efforts qui ont été faits? On nous dit, vous êtes des adultes maintenant, débrouillez-vous. Ok. Sauf qu'il y a des gens qui sont leaders, il y a des gens, c'est des consommateurs, mais ils resteront toute leur vie. Donc il y a des gens, ils ne feront jamais de projet, il y a des gens, ils n'iront que consommer avec moi. On a besoin de quoi aujourd'hui entre 18 et 25 ans, ou même plus, parce que la jeunesse, finalement, elle ne s'arrête pas à 25 ans pour moi. On a besoin de culture, on a besoin de lien social. Il y a vos aspirations, mais il y a aussi, vous, la nécessité de rentrer dans la vie des adultes. Il y a, comme disait Valérie, un petit problème de suivi de la jeunesse. Il est clair que vous ne pouvez pas comprendre comment nous on fonctionne en tant que la société de la jeunesse. On n'est pas représenté.